il est pas là. Et il y a une inquiétude qui est peut-être... Il va venir, le mec, il va venir. Effectivement, il y a ce que décrit Laurent Neumann, et puis... C'est sur le macro. Face à une génération de jeunes peut-être plus radicalisés qu'avant. Macron en boîte sauce Rothschild, en boîte à Pandore. Chez les jeunes aux États-Unis, il n'y a plus que 30% qui croient à la démocratie, qui croient au capitalisme. Aux États-Unis, pas... Aux États-Unis, et c'est République, c'est reptilien. C'est l'inquiétude. Je dégage, connard. Les jeunes, ils vont sortir dans la rue. Eh ben putain, j'attends. Paraît un peu effrayant parce qu'il n'est plus révolution maîtrisé ou maîtrisable qu'il a pu l'être. C'est pas un monde de pognon là. Il faut comprendre c'est quoi la vie sur terre. Quand ton cœur il bat de manière assez radicale, absolument. De à droite ou à gauche, et effectivement, j'ai une invitation pour les alcooliques. Une nouvelle génération qui pourrait dans une demande pas cool ça. Plus radicale de mon avec repas et tout. Par contre, j'ai leur dit, il marche plus. Pendant la campagne électorale, parce que c'était quand même extrêmement frappant, Jean-Luc Mélenchon allant à l'ESSEC, qui me semble une des plus grandes écoles de commerce parisiennes, se faisant acclamer. On peut imaginer qu'une grande école de commerce est a priori plutôt un endroit où les gens... Bon, c'est sûrement que j'ai regardé des films de boules. À chaque fois que ça plante, c'est pour ça. J'ai restauré, j'ai machiné. Après, il m'a dit, oh là, reformaté, redémarre le truc. En mode... Bon, moi, je sais pas quoi de l'ordi. Moi, je comprends. Je comprends éternel. Je comprends. Je comprends pas l'ordi. C'est mon D2R2. Normalement, il se démerde. Il y a toujours pas d'âme dans le programme. Pour faire descendre les jeunes dans la rue. Donc du coup, après, on a rétro-pédalé, on a fait en sorte d'expliquer un grand plan pour le logement, etc. Mais ça pourrait être ça, ça peut venir de quelque chose qu'on ignore même aujourd'hui. Et quand vous savez qu'en plus, derrière, viennent la réforme de la formation, de l'apprentissage, ou même de l'assurance chômage, ça peut venir de là. Donc, en tout cas, pour le moment... Et ben moi, je vais me faire cuire deux steaks périmés avec un oignon, et puis tout ce qui traîne qui est périmé. Ne parviennent pas à son pendant que vous dites que de la merde, enfin... Défiler, où ils sont quasiment en concurrence, et où Mélenchon met tout sur le dos de Jean-Claude Mailly, qui lui-même explique que Mélenchon tire la couverture à lui, bref, ils ne peuvent pas s'entendre. Bon, ils ont moins des têtes de con que les autres. Quelque chose dans l'actualité qui permet bon, lui, de ouais, peut-être. Là, ça peut poser un problème. Justement, Lila Leva, vous regrettez ces divisions syndicales... Des reptiliens partout soumise, moi, je vois des reptiliens. La gauche du PS... Jean-Claude Mailly, Philippe Martinez et les autres, ouais, vous êtes à peu près d'accord, mais vous n'avez pas... On va attendre Martinez, des fois c'est pas mal. Putain, j'ai vu Patrice tout à l'heure, j'étais content. On buvait un coup avec Michel, il est passé à vélo. On travaille ensemble. Mais j'ai plus de lien téléternel. Je sais pas comment je vais faire. Il me faut des clés web, il me faut, je sais pas, une connexion gratos, c'est éternel, il n'y a jamais de thunes. Mais bon, on va se démerder comme ça. Un peu perdu sa force de persuasion dans les facultés. On voit que la FAGE a beaucoup progressé ces dernières années. L'UNEF, ce que représentait l'UNEF, c'était capable de mettre des étudiants dans la rue, parce que c'était difficile aujourd'hui. On verra ce qui arrive plus tard. Par contre, comme vous l'avez dit vous-même, une mobilisation, ça se construit. On ne va pas décréter... Tout le monde dans la rue, une révolte planétaire. Vous ne comprenez pas ou quoi? Putain. Les oligarchies, c'est fini. Les féodaux, c'est fini. Donc nous, on parle aux étudiants... Tout est basé sur le pognon, mais c'est de la merde. Il n'y a rien qui est basé sur l'esprit. Comme je suis chef d'état d'âme, c'est pas pareil. Justement, la sélection à l'entrée de l'université. Ça veut pas marcher, ça me gonfle. Merci à tous les trois. Paye, paye, paye. Faut toujours payer, 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 payer. Non, je paye pas et je t'emmerde. Maintenant, c'est vous qui allez me rendre. Qui allez me rendre. Tout ce que j'ai cotisé. J'ai déjà pris ma retraite. J'ai pas besoin de gagner du 10 000 euros par mois. Enfin, 808 euros, c'est un peu l'aide. Le loyer, il fait 700. Selon la préfecture de police, 40 000 bon, il y a la CAF. Quelques incidents ont donne 270. Ont été brisés, mais la manifestation s'est achevée dans le calme. Il y a l'UDAF. C'est armé dans le calme ici, place de la Nation, mais vous l'avez dit, pendant une heure, quelques individus de la mouvance ultra-gauche s'en sont pris. Mais mon âme n'est toujours pas à vendre. C'est tout, et puis c'est tout. Crise de Nice, de la merde. Oh, moi, c'est pas pour rigoler. Je veux putain, changer d'air et d'air. Pas compliqué. Je suis bien envoyé spatial, porte éternelle, je suis reporter sans glacière, je suis tout ce que tu veux. Mais les cons à
pas pognon, il y en a marre. Il y en a marre. Aujourd'hui était assez large. Voilà. Il dépassait les ordonnances qui réforment le code du travail. On a entendu ici beaucoup parler de régression sociale. Mais les chiffres, ils sont toujours faux. Ce gouvernement assassine les plus précaires. On a vu également Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui a de nouveau dénoncé cette inversion de la hiérarchie des normes du côté des autres syndicats. Il faut, ça me parle un peu. La CGT, ça me parle franchement. Conseil galactique temporel. Par entreprise contre des accords qui seraient signés notamment pour sourire, mais le temps de travail. Et Jean-Luc Mélenchon qui lui a défilé à Marseille. Fictif au de Rotel-Krief demain soir à 19h depuis la cité fossée. Allez, il y aura le Merluchon. C'est samedi que Christophe Castaner sera élu délégué général de la République en marche. Oui, son accession à la tête du parti ne fait aucun doute, même s'il est le seul candidat. Il est en meeting ce soir à Lille et pendant ce temps, un débat est organisé à Paris entre les listes qui formeront ensuite le parti. Julien Van Elst, vous suivez ce débat pour BFM TV. Certains parlent d'illusion démocratique. Oui, on va voir qu'est-ce qu'il va dire le Martinez. Je vais faire encore une session. Il y a une liste que certains appellent déjà la liste Castaner. C'est la liste numéro 4. Elle est composée Castaner. De députés. Et certains dans lui, on sortait d'où, je sais pas. Estiment que c'est celle-ci.